Et bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau Randomine. Et aujourd'hui, je suis tombé sur un Caplin. Alors, faut savoir qu'il y a eu la refonte et que je n'ai toujours pas touché le perso lors de cette refonte. Donc, je vais un petit peu, voilà, comme je le dis souvent, découvrir, voir comment ça se passait, comment l'histoire a été refait, ce qui est intéressant. Est-ce qu'on va devoir partir sur Zeke ou pas? Voilà, apparemment, oui. Apparemment, vu que Zeke avait été refait, c'est ça, le blason Zeke, la ferveur de Stark anciennement. Oh là là, pff, ça c'est trop, oh, trop de nostalgie quand on dit ça. Mais oui, ce bon vieil item qui a été complètement remanié et qui apparemment est très très bon pour GP, puisque vous ça vous lie à quelqu'un, vous mettez des, enfin, vous avez des stacks, après vous avez 100% de critique ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc de dingo. Et on a envie de savoir, on a envie de voir, donc c'est parfait. Nous sommes avec un Bard, un Lee Sin Muay Thai, un Yasuo, une Jinx pyrotechnique. Donc pas. Ah si, je vais dire pas de support, mais si, Bard, parce qu'en fait, Bard, on l'a tellement joué ailleurs que support, que je savais même plus que c'était un support. Donc, un de notre ami Yak22, hein, qui est là avec son Lee Sin, il est content d'avoir été pro aujourd'hui, il a eu de la chance, il a eu de la chance. Et un Yasuo top, qui est parti sur un flash heal d'ailleurs, qui va jouer face à quoi? Ce serait pas une Queen quand même qui va jouer. Non, il n'y a pas d'autre AD carry, donc ce serait pas un Twisted Fate. Si, Twisted Fate, je pense, puisqu'il est parti sur TP The Thief, donc le voleur. Il va jouer contre le voleur. Et Shaco mécanique, les Shaco mécaniques, bien entendu, au niveau de la jungle. Et ça, c'est pas très drôle. Ça, c'est pas très drôle, on le rappelle, hein, les Shaco, on les aime pas, on n'a pas envie de les avoir en face. Ça nous casse un petit peu les couilles, voilà. Hein, je veux dire, donc c'est pénible. GP mid, COP. Oui, mais moi, j'étais un grand fan de GP mid. De toute façon, on l'a joué plein de fois, GP. Je veux dire, c'est un très très bon pote à nous. Et du coup, content de pouvoir tester cette refonte là-dessus, sur le vrai client. Voilà, c'est tombé dessus. On va voir. Je vous dis, moi je connais pas trop. En même temps, je suis en train de farmer mon petit game. Voilà, hein, tranquillement. Ça, c'est pour le stream de tout à l'heure. C'est parce que cet après-midi, on va faire du Summoner Wars, bien sûr, en stream. Un petit peu. Et c'est surtout qu'on va voir les GVG et tout ça. Parce que je crois que d'ailleurs, le Guild V Guild vient de se terminer. Je crois que j'en lancerai un cet après-midi pour montrer à tout le monde. Et donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, mesdames et messieurs? C'est parti, c'est parti. Alors, est-ce que déjà, j'ai plus ce bug de dire. Ah, c'est bon, je vois enfin mon MS, mon ping. Donc là, on voit qu'on a 105 de ping et que ça va monter et C'est la descendre à fête! tout va. Ce serait quand même pas la fête de I'm Queasy qu'il y a moyen de se faire une pure journée le mercredi GG de 12h à 17h, domingo de 18 à 21h, 0 de 21 à minuit. Je pense que tu voulais Lequel dire d'entre ça nous pour la fin. finira le jour Eh bien, écoutez, ici? aujourd'hui, oui, exactement, puisque vous avez vu sur le programme. Attendez, je crois que c'est bien ce que tu as dit, 21h? 21h, 23h et Sky jusqu'à 2h et plus. Et ben voilà! Tu retrouves tes méga programmes, ça fait plaisir. Bon, mais par contre, tu passes ta journée devant le PC. Tu es interdit de bouger de chez toi après. C'est full PC, mais c'est bien. Au moins, voilà, tu regardes pas les anges de la télé-réalité. Qu'est-ce que c'est? Les gars. Oula. 30 secondes avant l'apparition. Excusez-moi, excusez-moi. Là, j'ai loupé un truc, non? Les gars, j'ai loupé un truc. Mais non, mais non, mais. Mais non. Mais non, je parle au streaming français, les gars, je suis pas FK. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que c'était que ça? Les gars, qu'on peut me tenir au courant là de ce qui s'est passé. Là, j'ai vu des items bizarres. J'ai vu des items hyper chelous, les gars. Pourquoi? Les sbires sont en Alors attendez, tac tac tac. Normalement, je crois que ce sera comme ça. Alors, dites-moi, mesdames et messieurs, GPCOP, c'est quoi cette merde? Requiert 500 serpents d'argent. Mais oui, depuis quand on achète avec des serpents d'argent? Waouh! Toutes les 15 secondes, la prochaine attaque de base de Gangplank embrase la cible. Oh, trop marrant. Trop La marrant. mer est peut-être cruelle, mais je suis Ah ouais. Alors, je sais pas si. Alors, attendez, les gars. C'est vrai que j'ai pas trop lu. J'étais pris dans l'effervescence. Je ne sais pas si notre ami GP a été complètement refait. Il faut rusher Ferveur de Stark alors. Enfin, faire n'importe quoi. Les blasons de Zeke. Est-ce que je t'aurais pas embrasé? Non, je l'ai pas embrasé parce que je suis en cooldown. Mais est-ce que le Q-spell a changé ou pas? Ouais, ok. Ah voilà, ça fait toujours un pillage. Détruit un balai de poudre, réinitialise épreuve du feu et octroie un bonus. Ok. D'accord, ok, ça marche. Est-ce que ça rend du mana? Ouais, récupère le coup en mana si on détruit la cible. Ça c'est classique. Récupère le coup en mana ou la moitié? 50%, 50%. Mais gros! Gros, calme-toi, s'il te plaît, Azir. Franchement, le mec, pas marrant du tout, quoi. C'est-à-dire, à un moment.
En mouvement, le mec a 47 ans, il est pas là pour s'amuser. Oh putain, vous avez vu les icônes des agrumes? Trop marrant. Ils ont fait vraiment, putain, ça donne envie. Putain, ça vous donne pas envie de boire un petit jus d'orange pur agrume? Là, vraiment, de suite. Attendez, quand je vais la mettre en couleur, les gars, là, je pense qu'on va moins rigoler, on va moins faire les mecs. Là, c'est pas mal. Alors, le E, c'est quoi? C'est un baril. Je pose un baril. Je pose un baril de poudre, tel un vrai pirate. Et j'arrête de booster les mecs comme un débile. Ça, c'est cool, ça. Alors, attendez. C'est quoi? Place à l'endroit indiqué un baril. Alors. Ah, d'accord. Ah, ok. Hop là, petite esquive. Oh oui, ah, ça va? Allô? Calme-toi, bon. Oh. Attendez, attendez, mais c'est genre là, il est vraiment pénible. Hein. Là, il est pénible parce que moi, à la base, je suis là pour m'amuser et lui, il s'amuse pas. Lui, il s'amuse pas du tout. Ok, c'est bon. Ok. Alors, si j'ai bien compris, donc nous, on va monter le cuspel. Le baril. Alors, vous allez me dire, parce que j'avoue que je suis un peu perdu. Le baril, nananana. Attendez. Ah, mais c'est le chat qui ne bouge plus. Ah oui, je me disais, attendez, je suis sur des messages de tout à l'heure là. Des messages de tout à l'heure. Ah non, je ne peux plus lire le chat. Il va falloir que j'y réinitialise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'aurais pas le vieux bug de chat de la dernière fois. Qu'est-ce que vous avez fait, Dailymotion là par contre? Là, Dailymotion, ça va pas aller du tout. Ok, c'est bon. Ok, nickel. Alors, vous m'avez dit. C'est la fête. Time Queasy, merci à toi encore. Pas forcément, j'ai deux écrans et un téléphone pour quand il faut aller pisser. Maudit sur le clavier virtuel. Ah oui, d'accord, donc toi t'es au clavier virtuel quoi. Genre, c'est vrai que c'est chiant, j'ai utilisé le clavier virtuel il y a pas si longtemps pour installer un petit PC en bas pour des films. Je peux te dire que c'est bien chiant parce que quand t'as qu'une souris et que t'as plus de clavier, ça fait chier, ouais. Ça fait bien chier de passer sur le clavier virtuel. Tu pètes rapidement un câble, on est d'accord. C'est pas tout à fait génial quoi. Mais oui, alors qu'est-ce que tu m'as dit? Tu cuspelles sur le baril. Ah, je cuspelle sur le baril pour le faire exploser. Oh, d'accord. Ouais. Ah non, mais ça, c'est de la vraie piraterie, du coup. Hein, quoi? N'importe quoi. Ok. Alors, j'ai rien compris. Il faudrait que je prenne du temps de le lire, hein, le sang, là. Parce que là, vous me... Vous m'avez mytho, les gars. Mytho. Ouais, t'inquiète. Alors, attendez. Si, donc on détruit le baril, ce dernier explose. Ah, il faut le détruire, donc faut mettre le dernier coup. Ah oui, c'est un jeu un petit peu du dernier coup, quoi. Ah, c'est le dernier coup qu'il faut mettre, ok. Ouais, t'es sûr. Place dans un baril, il va être attaqué pendant un flanc ou si des lignes pendant 30 secondes. Sous forme de dégâts physiques, il ignore 60%. Ah oui, c'est ignore 60% d'armes, alors c'est pas dégueu. Et en ralentissant les ennemis de 40% pendant 2 secondes. Ok. D'accord. Alors normalement, il va conseiller. Il conseille pas le truc là, pas la ferveur de Stark. J'ai envie de dire ferveur de Stark tout long maintenant. Alors que c'est pas du tout ça. Ça se fait avec quoi, le truc de Zeke? Zeke. Bah, je suis con, j'ai encore recherché. Zeke. Voilà, c'est ça. Ah oui! Très bien. Donc on va le faire comme ça. Non, mais attends, je fais des tests, ok? Je fais des tests. J'ai le droit de faire des tests. Voilà. Repartons. Parce que Zeke, si je dis pas de bêtises, quand vous êtes à 1000 unités de distance, maintenant vous générez des charges, attaquer et lancer des sorts génère des charges supplémentaires. Donc on va faire ça avec le jungler, on va se lier avec Hack et on va passer la vie. Tu m'entends Hack? On va jouer ensemble, comme des frérots mon frère. Ça veut rien me dire. Les barils dans la zone d'effet mort sur celle du baril détruit. Ah, les dégâts se cumulent pas par contre. D'accord. Voilà, j'ai compris. Alors, les barils, ok, c'est bon. J'ai bien compris, mesdames et messieurs. Désolé, je suis un petit peu l'homme en pleine découverte. Hein, pardonnez-moi, est-ce que vous me pardonnez? J'espère que vous me pardonnez, en tout cas. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool, cette petite mécanique-là. Je trouve ça pas mal, moi. Je trouve ça pas dégueu. Pas dégueu, en effet. D'accord, bah, si, alors, est-ce que ça vaut le coup, du coup, de faire statique plus Zeke avec Gangplank? Vous voyez ce que je veux dire? Ou absolument pas? Parce que là ça chargerait les critiques à l'infini. En gros, à chaque fois que je frapperai. Parce que là on va faire un GP full critique, on est d'accord. Prends brillance sur cet item. D'accord, ouais, plus trinité et tout. Oh ouais, il y a moyen. Si la game dure longtemps, il y a moyen qu'on puisse se mettre bien quoi. L'outil, alors je suppose que l'outil n'a pas changé. Enfin j'espère. Enfin j'espère oui et non, parce que l'outil de GP il était un peu nul.
Ouais, mais on va pas se le cacher, l'outil GP c'est pas le meilleur outil qu'on ait eu. Ouais, c'est voilà, c'est... Ah d'accord. Ouais, ça touche, tu vois, regarde. Là, je l'ai bien eu. Il fait trop de dégâts. J'ai un peu de mal. Ils nous ont volé notre set. J'ai cru que c'était pour moi. On va bien jouer ça, mon pote. Ah, tu l'auras pas. Tu vas l'avoir. Je te laisse. Enfin, j'ai pas le choix. Bien joué ça. Bon, j'ai pas l'assist par contre, parce que trop de temps. Trop de temps de ma part. Mais on est pas mal joué avec le baril. Après, c'est un Azir. Là il me met un peu la misère. Surtout que je sais pas pourquoi j'ai fait l'insol de glace pour avoir un peu de mana et un peu de cooldown radius. Ben vous le voyez, enfin ça fait toujours la cooldown radius, on est d'accord, ça fait tellement joué longtemps que j'ai pas joué que s'il faut ça en donner plus. Et le truc c'est que ça ne me sert à rien contre un Azir en termes de résistance puisque c'est de l'armure. Azir c'est pas de l'armure les gars, hein. C'est malheureusement c'est des dégâts magiques. Donc ouais c'est pas oufissime. Donc quoi, faire brillance. Très bien passé, mesdames et messieurs. On a voulu me gank. C'est un échec. Ah, c'est une fuite. Bon, j'aurais dû partir avant. C'est ma faute. J'aurais dû partir avant. J'ai fait des bêtises, mesdames et messieurs, voilà, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Bon, alors, c'est quoi les points serpents, par contre? 500 points serpents, c'est quoi, ça? Cadence de tir de barrage augmente sur la durée, 6 vagues supplémentaires. Tir de charge, tire un énorme boulet de canon au centre de la zone, d'accord? Et ça, c'est moral élevé, la vitesse de déplacement des unités alliées prises en tir de barrage. Qu'est-ce que c'est que ça, là, les trucs de serpents, là? C'est ça? Ah, des... Ah ouais, le serpent d'argent, mais comment je les récupère? Ouais putain, genre il y a des serpents en argent et tout, et genre j'étais même pas au courant. Tu peux relier les barils. Oui, alors c'est ce que j'ai cru comprendre, mais les relier dans le sens où faut que je mette des barils à côté, faut que je les mette à côté et qu'ils explosent en même temps, et d'accord. Lastite Ocuspel pour avoir des serpents d'argent. Ah d'accord, donc c'est quand tu lastites Ocuspel. Ah c'est donc les POP. Ah donc c'est les serpents d'argent. Ah très bien, d'accord. C'est donc ça les serpents d'argent. Non parce que... Je ne pensais pas que ce serait ça. Honnêtement, on va monter le E pour voir si on va essayer de faire un maximum de dégâts. Étant donné que le Z, on va s'en servir uniquement pour altérer les CC. Et ça, c'est pas mal. Ok, bah franchement, c'est pas mal. La refonte de GP est grave stylée. J'aime bien, moi, j'aime beaucoup. Regardez, mais des grosses patates comme ça. Et voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Hop là, qu'est-ce que tu vas faire? Hop là, toujours SS. Bon, on a 10 minutes de jeu, on a combien, 60 creep, non, un truc du genre. 65, c'est une catastrophe, hein. Je suis désolé, pas de farming, pas de bras, pas de chocolat. Ok, j'arrive là. Vas-y, pocher les gars, on va aller les chercher pour voir. On va essayer de mettre des barils de partout. Le pourparler. Pourparler. Voilà. On y arrive. Bon, désolé, j'ai loupé. J'ai pris l'aggro de la tour, en tout cas, ça c'était plutôt worse. J'ai essayé de relier mes barils, j'ai vu que j'explosais. Mais vraiment, il faut mettre les derniers coups, quoi. Je pense que tu peux faire, beaucoup de dégâts sur l'équipe adverse. Enfin, toucher beaucoup de joueurs de l'équipe adverse pendant un teamfight, puisqu'apparemment les dégâts ne se cumulent pas. Grâce aux barils. Et ça, c'est génial. Ouais, j'arrive. J'arrive. Détruisant le baril. C'est bon. Thank you, mon petit hack. Alors, on est parti. Ah, j'avais pas vu, DJ, tu regardes Shimoneta ou Shonoto. Pouf, alors là, pas du tout, jamais entendu parler. Là, tu m'as sorti, mon pote, tu m'as sorti un titre. Tu regardes Shumonekel Foligoli. Non, je le regarde pas du tout, je ne connais pas, pour être honnête. Petit frérot. Ah, ça se cumule pas, hein, vous voyez.
Ok, c'est bon. Ok. Eh ouais, c'est esquivé, mon pote. Tu vas faire quoi? Tu joues à D? Oh, il joue à D. Oh, à ton âge. Pas honte de jouer à D. Ok. Ah oui, d'accord. Donc là, toi, tu le détruis, tu t'en bats les couilles. Ah, vraiment? Donc, ah, ça... Ça proc les critiques. Erreur, erreur de ma part, erreur. J'ai pas touché avec le j'ai pas touché avec le E, le premier E. J'ai pas vu les dégâts qu'il mettait en fait. Pour moi, dans ma tête, c'est bon. Tant qu'il mettait pas de sort, c'était pas bon. Ouais, il a été tué. Waouh! Parce que t'aurais pas mis la roquette. Oh bah la Jinx, godlike. Bien joué à toi en tout cas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, au final. Au final, c'est pas dégueu. Après, c'est assez difficile à placer parce que tu dois un petit peu attendre que le compteur descende, ou alors taper en premier, etc. Je pense qu'il faut trouver des petites mécaniques qui ne sont pas forcément évidentes. Alors, bon, écoutez, on va partir. Moi, je vais faire une trinité dans un premier temps. On va partir sur du critique. On a toujours pas les bots, mais bon, c'est pas très grave. Je pense que j'espère que la partie va durer un peu de temps, en vrai, pour que je puisse connaître le plein potentiel de notre ami Gangplank. Sinon, avec le E, proc les critiques. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est vraiment fort. Vraiment pas dégueu. En infligeant les dégâts de l'attaque. Donc c'est pas dégueulasse, vraiment. Alors qu'est-ce que vous me dites? Classe le nouveau truc de Dailymotion. C'est fini de jouer GP, je trouve. Alors on passe de GP à un personnage qui était complètement débile. Parce que c'est vrai, il faut le dire. Moi j'adorais GP, mais il était bien débile. À un personnage un peu moins débile. Pour le coup, là faut l'avouer, ça commence à être un peu plus intéressant. Quoi. Un allié a perdu ses boyaux. Toujours SS les gars. Donc nous on va pêcher un petit peu. On va essayer de gratter un petit peu cette tour. Ok les gars. On y va. T'es en train de pêcher mesdames et messieurs. On est... Putain, mais n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi, mais moi je mérite des longues patates, hein, vraiment, hein, ça me rend ouf hein, ce que je fais. Mais ouais, mon pote, tu l'auras pas avant moi, d'accord? Oh putain, je l'ai fait trop tôt. J'arrive pas à m'y faire, hein, ce baril. Mais non, mon pote. Ouais, bon, il fait pas trop de dégâts pour l'instant, on est d'accord. Surtout que, bon, je suis sur un linceul de glace. Face à un TFAD, c'est plutôt intéressant pour le coup. C'est mieux que face à Azir. Azir était beaucoup trop chiant. Ah ouais, c'était trop pénible. On a vu le bonhomme là-bas. On va essayer de gratter un petit peu. Voilà. Putain, mais... Alors c'est trop dur à faire, c'est trop dur à mettre en place quoi, gros, c'est vraiment trop dur. Genre dans un 1v1, c'est improbable en fait. Faudrait en mettre plein, je pense. Ah oui, d'accord, il y a la famille qui est arrivée derrière. Bonjour à vous, enchanté. Je vais t'apprendre la loyauté. Mais il reste combien de temps d'ailleurs? Ah, il va peut-être disparaître. Est-ce qu'il explose à la fin? Ou est-ce qu'il disparaît seulement? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Oh là là là, je t'avoue que tu m'avais un peu saoulé. Est-ce que le Q-spell aussi proc toujours les auto-attaques? Ça c'est très important. Enfin, est-ce que ça proc toujours l'effet à l'impact? Oula. Putain, vous me cassez les couilles, hein, vraiment. Bon, je continue à partir, on sait jamais. Ça va me tomber sur la gueule. Bon là on a pris cher. C'est à dire que on a notre ami Chaco qui est arrivé comme ça. Il m'a mis un petit critique, il m'a défoncé la gueule. Genre j'ai pas su d'où ça venait. Je me suis pas vraiment amusé sur ce fight. Pas vraiment passé un très bon moment. Ok. Quand tu fais exploser un baril, tu vas plus vite. Ah d'accord, très très bien.
Ah, il disparaît. Votre d'accord. Ok, il disparaît. Réduite en miettes. On va faire d'accord. Eh bien, écoutez, je vais vous écouter. On va faire brillance plus statique. Oh, d'accord. Non, mais non. Oh, mais non, mais non, mais Bard, me prends pas les kills. C'est pas très gentil. Bah bon, que bon, bah ça sert à rien alors. Mais c'est grave bien. Ok. Ok, on lui a mis un peu de pression. On lui a mis un peu de pression, c'est bien ça, c'est bien. Voilà, voilà, on pousse. On pousse les gars. On pousse. Bien joué, je préfère ça. Bon, on arrive à s'en sortir un petit peu. C'est pas forcément la joie, mais on s'en sort un petit peu. Putain, mais genre. Moi, je peux pas y aller par là, parce que sinon, bah, c'est la merde, hein, vous l'avez bien vu. Oh putain, il y a une TP de... Je vais peut-être crever à cause de ça, putain, j'aurais dû me barrer, hein, j'aurais dû me barrer. Bon, j'ai voulu rester à côté de Hack, c'était cool, hein, c'était cool. On restera plus trop à côté parce que là on est mort comme une merde. On n'a pas pu faire grand chose. Bon. On va faire en statique du coup. Parce qu'on a assez, non, on a pas les thunes. J'ai pas les thunes pour le statique. Bon, en fait, c'est un peu le linceul qui m'a fait perdre un peu de gold au début. Enfin perdre, pas perdre, mais... Voilà, qui a fait qu'on a claqué un peu d'argent dedans, parce que je pensais qu'il fallait mieux le faire maintenant. En plus, le faire, je pense que se fait un item qui se fait peut-être mid-late game quand on commence à regrouper, parce que c'est vrai que quand vous êtes en solo lane, c'est pas très intéressant, quoi. S'il faut que votre collègue soit, enfin, plus ou moins à côté pour que vous chargiez vos stacks, c'est pas forcément dingue. Alors, quand tu fais exploser un barrel, tu vas plus vite, mais je sais, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous l'avez dit, les gars, je l'ai dit déjà 2000 fois, je l'ai fait. Bah, c'est ce que je fais maintenant, j'essaie de l'utiliser, j'essaie d'utiliser le baril pour fuir. Non, lui par contre, il va être chiant là. Il a quoi comme ça? Oh, il a juste ça. Alors on va voir si ça proc. Non, ça proc plus. Ça proc plus en fait le Q-spell, j'ai l'impression. Bah regardez, j'ai mis le cus. Ah mais putain, mais les mecs, insupportable. Bref, je crois que ça proc plus parce que j'ai mis le cuspel pour qu'il prenne le passif et il a pas pris le passif justement. Du coup chelou, très bizarre. Hop, on va fermer ça. Du coup très bizarre. Putain, par contre là sur la mid lane ils arrêtent pas de de se jeter sur nous. Avec le Shaco, on va jouer méga safe du coup. Non, parce que là je me fais chier en fait. Là on s'emmerde. Là on s'emmerde réellement. Faudrait juste que je farm. J'ai vraiment l'impression qu'il proc plus. Je pense. Il me semble. Okay, let's go. Allons-y! Putain, non, ce serait quand même pas un ennemi. Les requins vont se régaler. Bon, je vais juste au mid récupérer un petit peu de farming, mesdames et messieurs. Et voilà. Faut lire tous les sorts, tout est écrit. Ouais. Bah c'est pas écrit que le Q-spell ne proc pas justement l'épreuve de feu en fait. C'est ça. Regardez. Vous voyez ? Il le proc pas en fait. Ça c'est nul. Ah ouais, c'est de la merde. Ouais. Après ils disent la prochaine attaque de base, on est d'accord. Mais pour moi une attaque de base, le Q-spell proquait ce qui est fait, enfin, les effets d'une attaque de base en fait. Il proquait les effets en hit. Donc c'est pour ça que je trouve bizarre que ça ne l'active pas. Mais d'accord, bon bah ça doit être un truc vraiment que corps à corps en fait qui a été fait. Encore une fois, c'est pour ma gueule.
Oh là là, oh là là, oh là là. Ok, 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 on se calme. C'est pas le bon. C'est pas le bon, frère, c'est pas le bon, c'est pas le bon, le pète pas, le pète pas. Oh là là! Vous les avez les deux, les deux! Oh non! Il les a pas eu. Putain, l'autre il est là. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Putain, j'aurais dû flash pour aller tuer la queen. Je savais pas s'il avait bougé. Parce que je l'ai revu passer, j'aurais pu l'avoir avec un Q-spell. Putain, je suis bien déçu quoi. Je suis bien déçu, j'ai bien fait de la merde. Ouais, c'est ça, barre-toi. Bon, on va bouger parce que là il y a du monde qui va arriver. Non, non, non. Waouh! Alors, comme le passif de Diana, c'est pas un effet onite. D'accord, ok, ok, ok. Fais des explosions en chaîne pour augmenter la range. Oui, tu veux que je fasse genre ça, 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 comme ça. Non, c'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux devenir? C'est grave marrant ça. En gros, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je pense vraiment en plus. C'est pas si simple. Ah, bien joué, vous avez eu le break. Moi, je sers typiquement à rien. J'ai juste envie de voir quel dégât ça peut faire avec avec beaucoup de stuff. Là laissez hack, hein, tout ça, il était mort. Parce que vous n'auriez pas pu faire grand chose. D'accord, bon, je comprends un peu mieux. Je comprends un peu mieux. Après, après c'est pas si évident. Mais oui, messieurs, dames, c'est pas si évident que ça. Enfin, votre lucidité. Comme ça on va stacker plus vite, le Q-spell sera 3 secondes. Je suis plus un mec qui rigole du tout. D'accord, d'accord, d'accord. Bon c'est parti, on y va. On n'a plus peur, là on va jouer notre vie, c'est parti. Là, là on sort les gros plays. Ah oui d'accord, ça touche pas. Par contre c'est trop chiant ça que... Genre en gros les barils c'est à mettre en fight c'est quasi impossible quoi. Ouais d'accord, ouais, c'est pas ouf quoi. J'ai pris le petit heal. Personne te vole, personne te vole les gars. Là pour l'instant on n'arrive pas à mettre un tonneau frérot hein, donc je peux dire que si tout le monde te vole là un petit peu. Et c'est bon. Ah déjà 462 de critiques. Mettre là. Et vous mec, je te bait comme ça. On va script. Est-ce qu'on va pas bait? Qu'on baiterait pas comme ça. Hop. Non bah non, ça marche pas. C'est de la merde. C'est très difficile à mettre. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache. Peut-être pas mourir quand même. 7 secondes. Non, non, moi je lance les agrumes en même temps, je le savais. Putain, jeu de merde. J'ai lancé les agrumes en même temps. Et en fait non, ça n'aura pas suffi hein. On est d'accord. Je me suis dit là, au moment où il va mettre le stun, je vais lancer les agrumes. Et là, là mon pote, hein, pas de stun, pas de bras, pas de chocolat. Bon c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, mesdames et messieurs, on a du mal. On a extrêmement de mal. Alors là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, faut que je le lis à quelqu'un. Donc,
pour être inactive. Vous liez à une cible alliée. D'accord, on va faire ça. On va faire comme ça. Oh là 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 là. J'en peux plus quoi. Alors, qui va être notre ami? Qui va être mon ami et être lié à moi? À tout jamais. J'arrive. En gros, faut que je le fasse avec la Jinx du coup. Putain, mais. Oh, qu'est-ce que vous faites? Non, mais les gars, qu'est-ce que vous faites? What the fuck? Baqué? Pourquoi vous faites ça? Tu les mecs vont prendre le fight, la Midna est en train d'être pushée. Bon, tout va bien quoi. Ah, du coup, là, c'est Free Nashor, non? Ah non, c'est bon. Ce serait pas Free Nashor, tiens, on va faire ça. Hop, on est lié. D'accord, donc j'allais lancer ça sur le truc, mais bon, pas du tout. Bon, bah c'est perdu. Bon, eh bien écoutez, dommage, moi j'aurais bien aimé faire plus de trucs avec ce GP. Et en fait, j'ai pas fait grand chose, pour être honnête. Donc ça me fout un peu les. Ça me fout un peu le Sum 41 quoi. Putain. On va mettre tous nos barils. Ok, tu vas mettre des barils. Bon, tant qu'ils ont pas Nashor, ça peut aller. Oh, dommage. Je vais lui mettre en Q-spell pour voir ce que ça fait. Tiens. Tiens, bâtard. Ces gueux de mer. Vous êtes des gueux de mer. Les pirates. Ils nous ont volé notre set. Bon, eh bien, écoutez, franchement, nous, Gangplank, c'est pas évident. C'est pas évident, je trouve. Genre... En gros, on pourrait tout baser sur le Q-spell et ce serait. Mais en fait, les tonneaux là, le gameplay tonneau. Ok, les gars. Voilà. Voilà. Allez, on y va. Putain, vous avez fait le café. Oula, oula, hack. Laisse-moi tanker. Laisse-moi tanker, hack. Ouais, putain, ouais. Oh là 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 là, ce serait pas les gods. Je go là où moi. Là, j'ai spammé mon bouton ulti alors que je n'avais, bon, absolument pas d'ulti. Mais c'est pas grave. Ok, c'est bon, c'est récupérer un petit peu de goldess. On a 2000 gold, on va aller chercher des trucs. On y est arrivé. Hack se sacrifie pour Gigi. Non mais Hack il fait des plays, hein. Genre Hack il dit ouais les gars vous aurez pas dû me laisser jungle. Le mec joue Lee Sin comme un bonhomme. Genre en vrai Hack il joue bien, hein. Il joue vraiment bien, hein, gros. Putain, moi, je pue la merde et toi tu me carries de A à Z, gros. Trop fort. Not even close, yeah guys. Non, en vrai, là, le fight était plutôt bien foutu, honnêtement. Vous êtes très bien sorti. Hack a fait les plays. Allez, corse. Oh là là! Waouh! Oh, les tonneaux. Quoi? Quoi? La chaudière s'est déconnectée. Non! Non! Non, le Q-spell! Est-ce que tu comprends? Le Q-spell, il faut que tu te lances! Quand je te dis de te lancer, monsieur, j'ai flash. En plus, genre, tu sais, dans ma tête... Dans ma tête j'ai fait... Oh mais c'est bon j'ai la... Dans ma tête j'ai fait n'importe quoi en fait. Enfin non, pas dans ma tête.
Dans ma tête, je me suis dit, Shaco, il va me louper si je flash derrière lui, tu vois, genre il a des skill shots. En fait, je me suis souvenu juste après avoir flash, mais non, puisque c'est des auto-attaques, hein, gros débile. Et puis voilà, c'est pas du tout des skill shots. Donc j'étais un petit peu déçu, hein, à partir de ce move. C'est vrai que ce flash était pas dingue, tu vois, c'était pas ça, quoi. C'était pas trop ça, on est d'accord. Bon, franchement, on a quand même fait un peu les plays. Ça a récupéré ici un inhib, honnêtement. Rien à dire, moi l'équipe hein, qui me porte. Moi, je me fais porter là. Je me fais porter, mais c'est bien. C'est bien que ce soit moi. Je suis fatigué, les gars. Moi, c'est fini maintenant. C'est cette époque où je portais les gens. Maintenant, portez-moi. Portez-moi, c'est chiant. Alors, là, on va prendre Trinidad et Tobago. Et vous savez que j'ai toujours pas. J'ai 310. Ça veut dire que je suis nul. C'est quand même beaucoup 500 en fait. Ah oui, d'accord. Waouh. Menacé d'extinction et tout ça et tout ça. Aucun souci, alors j'arrive. Attendez, 1000 c'est combien? Tourelle détruite. 100 à 1000 d'unités, ça va alors du coup. Donc ça veut dire que là je suis potentiellement en train de charger. Puisque nous sommes à côté. Ouais, exact. En fait, est-ce qu'à tout moment je peux plus me lier avec quelqu'un d'autre? Ah si, je peux me relier avec quelqu'un d'autre. Ça c'est vraiment génial ça. Alors on va faire ça, on va essayer de faire une réaction en chaîne. Ah oui mais en fait pas du tout, il y a trop de monde là. Il y a trop de monde. Mais il y a trop de... Il y avait trop de monde en fait. En fait il y avait beaucoup trop. Attendez, on va essayer de faire un méga truc en chaîne. On va faire un méga truc en chaîne. Non. J'ai tapé, mais je suis un débile. Abruti par l'alcool, hein, cet homme se virait. N'hésitez pas, les gars, on va faire un truc. Regardez bien ce qu'on va faire. T'inquiète pas, gros. T'inquiète même pas, frère. Tu vas voir ce qui va se passer. Amenez-les là, c'est un piège. Amène-le là! Je tente ce piège depuis des années. Regardez-moi. Oh là là là, les barils. Ah non, mais en fait, tu t'en bats les couilles, toi. Oh, mais il... Amuse-toi un peu. Voilà. Et bon, bon, ouais, voilà. Voilà, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Ah bien vu ça. J'étais très content moi de faire ça moi. Bon après les mecs s'amusent pas tu vois, genre moi je suis là pour m'amuser. Eux ne s'amusent pas. Allez peut-être hack pour le move. Et boum et boum. Oh là 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 là. Oh là là. What the flash. Et il flash. Oh là 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 là. Mais hack il est trop chaud hack. Hack c'est pas mon niveau. Mais... Bon alors, comment dire que hack Ah c'était pas mal. En fait t'as fait un move interdit un peu comme moi. C'est à dire que 3 quarts d'heure j'étais en train de poser des bidons d'essence. Mais je pue la merde putain. Et voilà. Donc franchement Gangplank, le nouveau Gangplank, pas mal. Mais pas à mettre entre toutes les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout pas entre mes mains à moi. C'était nul à chier, vraiment. On a 800 gold, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je pense que ça fait beaucoup de dégâts, mais le truc des tonneaux, c'est tellement difficile. Oh, je trouve ça trop dur. Tout ce qui finit GP. Bah voilà, c'est fini, ouais, c'est terminé. This is the end. Oh là là là, son père. Bat-toi comme un homme. Bat-toi comme un homme, je veux bien, moi. Je demande que ça depuis tout à l'heure. Écoutez, les gars. Les coups forts. Par contre, tout le monde m'a laissé. Ah oui, tout le monde m'a complètement laissé, quoi. Tout le monde est parti. Mais les gars, on m'a tué 10 000 fois. Ah oui, donc tout le monde m'a abandonné. Genre, j'étais vraiment solo, quoi.
J'étais solo, solo jungle. Super, waouh, je pensais que j'avais des potes. Non, mais c'est pas grave, après tout. Après tout, qu'est-ce que c'est quoi, aider un ami? Aider un ami en difficulté, genre comme moi par exemple. Non, mais je vois, c'est pas très grave quoi. Je pensais que j'avais des amis, je pensais que je pensais qu'on était plus que de simples viewers. Voilà, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Putain, le move des tonneaux. Moi, je vais faire le move. En fait, je vais essayer de poser que des tonneaux. C'est trop marrant, les tonneaux. Bon, par contre, là, c'est chiant. Là, on est mort. On meurt longtemps. Là, déjà 4-8. Par contre, très très bon score de ma part. Le meilleur joueur. On va repasser là-bas. Second plank n'est pas vraiment ce que vous croyez. Ce qu'on croit qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas le grand plan qu'on croit qu'il est. Là, c'est beaucoup trop compliqué. Par contre, je pue extrêmement la merde. On est d'accord. Là, il n'y a pas de soucis. Bon, alors, attendez, là. C'est ça que je veux, moi. Le chat est là. Bonjour, je suis là. Hop, attendez, ne bougez pas. Et grâce à ma magie, bah, écoutez, c'est simple. Ah, en plus, c'est tout nos procs, le statique aussi. Oh, c'est trop génial, ça. Ça fait zéro dégâts, j'ai l'impression. J'ai l'impression que je fais zéro dégâts. J'ai pas de stuff. Ouais, c'est peut-être parce que j'ai pas de stuff. Là, viens là, viens là. Ah bah fallait venir là. Hop là. Bon. Regarde, attendez-moi. Ah non, vous l'avez tué carrément quoi. C'est la fête. C'est la fête. Merci à toi, Frozen Beat. J'ai pas beaucoup de vie. Je fuis, Frozen Beat. Oh là 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 là, putain. Oh, son père. Son père de la télévision franco-belge. Je sais pas quoi faire. J'ai l'impression que je fais zéro dégâts au mec. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal que je fasse autant peu pas de dégâts? Hein, j'irai à rentrer, c'est incroyable. Mais non, mais pas du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Donc, ouais, qu'est-ce que je dis? Oui, voilà. Hein, pas de dégâts. Je suis pas mort, heureusement, heureusement. Ah, mourir une 9e fois m'aurait saoulé. C'est la Frozen Beat, exactement. Juste parce qu'en fait, Frozen 13 YouTube, voilà. Non mais moi j'ai lu Frozen Beat, d'accord. Écoutez, chacun ses problèmes. Moi je dis Frozen Beat. Je trouve que c'est un très beau pseudo, je trouve qu'il se porte très très bien. Donc voilà, il s'agirait de me respecter. Yasuo là, il se régale, il se fait plaisir. Enculé de rire. Je suis insubmersible. Comme ma bite. Action en chaîne. Et boum! Waouh, super. Oh, les gars. C'est le tryhard est réel. Bah, merci de m'avoir porté, les potes. Hein. GG, j'ai servi à rien de la game. C'était une de mes pires games du monde. Vraiment. Victoire pas méritée pour moi en tout cas, victoire méritée pour l'équipe, je la dédie à l'équipe des abonnés qui a fait un travail monstrueux, fabuleux, un travail de fond, de recherche. Il y avait Jamy, il y avait Fred de C'est pas sorcier, c'était vraiment cool. Bon là ça va pas, là je mérite, c'est moi au moins, j'espère, c'est, bah tu vois je me dégoûte sur ce que je viens de faire. Là on a fait zéro dégâts, regardez ça, 19 000 de dégâts, mais c'est nul. Nul, mais elle est où l'époque avec le GP où je faisais des milliards et des milliards de damage? J'ai l'impression qu'il est devenu nul, le GP. Si on sait pas le jouer. C'est pas qu'il est devenu nul, vous savez quoi? C'est que je me suis focus que sur le toute la game. Et du coup, bah, je n'ai rien fait. Parce que pour moi, GP, c'est le Q-Spell. C'est la magie du Q-Spell. C'est le fabuleux joueur qu'était cet homme avec son pistolet. Et là je me suis focalisé sur des tonneaux. Hein. C'était une histoire de tonneaux au final. Et non, ça s'est mal passé. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. C'était le petit GP. J'essaierai de m'y remettre un petit peu mieux, hein, sur GP la prochaine fois. Parce que là, c'était pas très très bon. On se retrouvera pour de nouveau en 2020 dans Jungle. J'espère que ça vous a plu. Lâchez un petit pouce vert si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, vous lâchez un petit pouce rouge. Vous pouvez vous abonner également à la chaîne Jiraiscard si vous le souhaitez, parce que c'est plus vraiment une chaîne. Et puis on se fait des bisous, on se dit à très bientôt. Salut !